Bonjour à tous les confinés. Ça y est, je suis prête. Vous connaissez tous la planche, d'accord? On se met comme ça, bien en extension, on voit pas tout, mais c'est pas grave. Et en fait, il faut tenir le plus longtemps possible. J'ai trouvé un truc, qu'il faut lire au moins une page de livre. Et là, bon, ben, bien sûr, hein, toujours pareil, j'essaye de le finir. Voilà. Alors, pour tout vous dire, vous pouvez commencer par un chapitre, hein. Et puis, ainsi de suite. Hein. Sinon, si quelqu'un peut m'aider à le finir, merci. Les livres, ils gagnent toujours. Voilà. Donc, quelques petites consignes avant de commencer. On s'ancre bien les pieds dans le sol. On se grandit. Poitrine fière. On aspire le nombril. On bascule le bassin. Et c'est parti. J'en ai profité aussi pour regarder des films, hein, dont j'ai regardé Parasite, hein, La Palme d'Or, qui a eu des Oscars, Golden Globe, etc. Donc je craignais un petit peu, voilà, que ça soit un petit peu trop intellectuel, mais pas du tout, c'est très très bien fait, c'est un thriller jubilatoire avec une satire sociale de la société sud-coréenne, et j'avais qu'une envie, c'était de le revoir tout de suite. Hein. Un autre film, Les Hirondelles de Kaboul, tiré du roman de Yasmina Kadra, un film d'animation français de Zabou Breitman. Donc ce qui est assez original, film d'animation adulte, il n'y en a pas beaucoup en France, et vraiment avec un sujet dramatique, elle a fait quelque chose de très délicat, de très très beau. Voilà, ben, j'espère vous avoir donné envie et des idées et des envies. Ces temps de crise, je voulais vous donner quelques petites astuces pour vous muscler un petit peu, des exercices très faciles. Pour cela, il vous faut des BD. Et des romans. Moi, je préfère les romans policiers, ils sont un petit peu plus costauds. Alors voilà, vous vous positionnez ainsi, sans tomber bien sûr. Voilà, vous gainez tout. Allez, on descend. On remonte, on descend, on n'oublie pas de respirer. Les répliques de la mère Clairette. Aujourd'hui, je vais vous lire une réplique de Bernard Billier. Il avait hébergé pendant plusieurs jours dans sa maison de campagne un picassier qui s'était montré d'une totale incorrection durant tout son séjour. Avant de partir, le malotru ne craignit pas de dire à son hôte: vois-tu, je ferai un gros reproche à ta propriété. C'est dommage que l'arbre soit si petit. Et Bernard Blier lui répondit: rassure-toi, je peux te promettre que la prochaine fois que tu reviendras ici, ils auront beaucoup, beaucoup grandi. Suite à la prochaine réplique. Voilà, j'espère vous revoir bientôt et en forme. Bye bye!